La mise en place d'un programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, avec pour slogan « Une école, une cantine », préoccupe le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, une délégation conjointe conduite par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, et le Programme alimentaire mondial a effectué un voyage d'études au Brésil du 19 au 3 novembre 2013. L'objectif était de s'imprégner de l'expérience brésilienne en matière de conception et de gestion afin de redynamiser le dispositif des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes une structure étatique. Nous avons des bons de commande. Alors que les producteurs veulent de l'argent liquide, quel mécanisme on met en place pour que tout en ayant de l'argent liquide, nous puissions avoir les vivres? Et donc nous voulons bénéficier de l'expérience du Brésil pour voir dans quelle mesure nous allons réussir cette activité. Le programme d'alimentation scolaire au Brésil est entièrement aujourd'hui financé par le gouvernement. Et donc c'est vers cela que nous voulons tendre aussi. Et donc il faut accompagner évidemment encore le ministère de l'Éducation et la direction des cantines scolaires dans cette étape. La mission au Brésil a été consacrée à des visites de terrain et des séances de travail avec les différents acteurs du système d'alimentation dans le milieu scolaire. En vue d'optimiser les relations de coopération bilatérale en matière de lutte contre la faim, un plan d'action pour l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire a été élaboré.